Voici comment se débarrasser des souris définitivement et naturellement. Insupportables et dégoûtants, les rongeurs, et notamment les souris, peuvent s'attaquer à vos aliments, ronger les emballages et matériaux, abîmer les vêtements et causer de nombreux dégâts, et voici comment les éloigner naturellement. Si vous avez déjà eu une souris dans votre maison, vous savez parfaitement de quoi ces petites bêtes sont capables lorsqu'elles envahissent les maisons, jardins et restaurants. Les souris urinent et déposent des matières fécales constamment et partout, tout en causant de nombreux dégâts. Si vous ne réagissez pas à temps, vous pouvez vous retrouver avec une réelle invasion de souris, et subir un vrai calvaire. Mis à part les dégâts matériels, les souris sont des porteurs de maladies pouvant contaminer l'humain, raison pour laquelle vous devez absolument les chasser de chez vous et oublier les produits chimiques hautement toxiques disponibles dans le commerce et opter pour des alternatives naturelles, sans avoir recours aux poisons ou aux pièges. Voici 4 méthodes naturelles et efficaces pour vous débarrasser définitivement des souris et autres rongeurs. Avant de choisir votre arme de combat, vous devez impérativement boucher tous les trous et les fissures de votre maison pouvant servir d'abri aux souris. Voici les meilleures méthodes naturelles pour se débarrasser des souris. Cette méthode peut sembler étrange, mais les boissons gazeuses sont redoutables quand il s'agit d'éliminer les souris. En effet, les souris ne peuvent pas rôter. Donc après la consommation d'une boisson gazeuse, elles peuvent mourir d'une accumulation de gaz au niveau des intestins. Versez des boissons gazeuses dans des bols et répartissez-les un peu partout dans votre maison. Vous pouvez également utiliser un appât pas loin des bols pour piéger la souris. Mélangez des parts égales de plâtre sec, de farine blanche et de sel. Puis placez cette solution sur une plaque en plastique jetable. Ajoutez un bol rempli d'eau pas loin. Lorsque les souris vont consommer le mélange de plâtre, de farine et de sel, elles vont avoir soif et essayer de boire de l'eau, mais le mélange va durcir et les empêcher de respirer. Vous avez probablement déjà entendu dire que les souris sont attirées par le goût sucré du chocolat. La poudre de chocolat peut donc être un excellent appât. Ne perdez plus de temps, mélangez du plâtre avec de la poudre de chocolat et répartissez le mélange dans les recoins de votre maison. Tout comme la méthode 2, placez des bols d'eau juste à côté. Les souris seront attirées par le mélange, vont boire de l'eau et vous connaissez la fin. Cette méthode est la meilleure et devrait être votre premier choix. En effet, il faut laisser la nature faire son travail et voir comment les choses vont s'améliorer. Bien qu'elles soient nuisibles, les souris n'envahissent pas votre maison intentionnellement, elles veulent juste survivre et sont constamment à la recherche de nourriture et d'abri et votre animal de compagnie peut vous sauver. Les chats, notamment, sont de très bons chasseurs et peuvent effrayer les souris. Plus aucun rongeur ou insecte ne s'approchera de votre maison à nouveau.